famille, on dit quoi? Nous, on est en train de to enjoy our last sun. Donc, le soleil là, ça va partir bientôt. Ça va nous laisser avec le froid. D'ailleurs, moi, je suis là depuis le matin. J'ai très froid, mais le soleil là, ça va, ça part. Donc, parlons du soleil comme on a déjà parlé du soleil. Parlons de mon adage que je dis toujours ici. Voyez le soleil, voyez. Je dis toujours quoi, la vérité, c'est comme le soleil. Ça ne peut pas entrer dedans pour toujours. Vous savez qu'il y a des pays qui font 6 jours de nuit. Mais il y aura, et si quoi, 6 mois de nuit. Et puis il y aura encore 6 mois de lumière. Hein? Vous savez non? C'est dans les pôles, c'est pas pour le nord, hein? Pôle sud. Hein? Et je pense que c'est là-bas où. Je pense que c'est là-bas. Ça fait 6 mois jour, 6 mois nuit. Pourquoi? Parce que le soleil, là, ça nous apporte beaucoup. C'est comme la vérité. C'est comme la vérité. On ne refuse pas que la lune aussi nous porte beaucoup. Mais le soleil aussi nous apporte tellement beaucoup. Voyez. La vérité, c'est comme la lumière. On ne peut jamais cacher la vérité. À partir de notre vidéo, de notre queen, on a dit quoi? Elle n'est plus princesse. Elle est queen maintenant. On a suivi les vidéos qu'elle était mariée. Mais moi, j'ai dit que on n'a pas vu des preuves. On ne peut pas beaucoup parler. Mais il y a des gens qui disent que oh, la relation est discrète. Les jours qui m'ont va afficher, quelle que soit le photo ou une petite vidéo de son mariage là, et de façon moi je vais entrer dans la photo là, même elle-même va s'étonner. Voilà. Donc on a dit que il y avait des gens qui disaient que non, la fille n'est pas partie à l'école, la fille n'a pas eu de bac, d'ailleurs sa maman était morte ici c'est là. Mais au jour d'aujourd'hui que vous voyez, on fait des études en ligne. On fait des études en ligne. Laissons d'abord ça. Passons à la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses d'Elios 13. Le travail du bec rouge à la fin de chaque vidéo. Vous allez comprendre que on ne peut pas cacher la lumière pour toujours. L'évasion est à selon moi. Il n'y a pas de faute, attendez. Va vite, je pense qu'il n'y a pas S. Cette société a été créée. Il n'y a pas de faute. Attends. Cette société a été créée. Pardon, faut pas appuyer. Cette société a été créée. Non, il n'y a pas de... Non. C'est une société. Attends. Cette société a... Avait, il n'y a pas de faute été, il n'y a pas de faute créée. Et... Il faut pas, ils vont nous dire. Ah. Bravo. Voici, pardon, on vous connaît maintenant. Est-ce que l'assistante de direction peut... Est-ce que l'assistante de direction peut me recevoir? Est-ce que l'assistante de direction peut me recevoir? Il n'y a pas de faute. Peut me recevoir. Attends, est-ce que l'assistant de direction peut me recevoir? Peut pouvoir. Hé! C'est quoi tout ça là même?
Seigneur, j'en peux plus. Pour moi, il n'y a pas de faute. Et quoi dire? Ça n'a pas été facile. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais ils ont réussi à se comporter intelligemment. Quand de petites bulles se forment, c'est que l'eau est presque, hein, est près de bouillir. Hein? Hein? Bouillir à air à cause du 2. Bulle, c'est comme ça on écrit. Quand, non, 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 se forme, c'est au pluriel. Hi! Hi! On dit il n'y a pas de faute. Tous ceux qui... Tous ceux qui ont mis prêt, prêt. Et puis vous êtes nombreux comme ça. Amen. Ou bien c'est eux qui... J'aime son langage. Et son langage. Ici là, faut pas me tromper d'air. Langage ici à U, c'est un peu comme en anglais. Poudon. Yes. Je rectifierai le test dès demain matin. Hein? Je rectifierai. Ça, c'est pas imparfait. Je rectifierai. Non, non. C'est... Yeah, attendez. Il dit imparfait. Ouais. Attendez d'abord. C'est pas au passé. C'est au futur. Ça dit... Eh, Kimio! Kimio! Je rectifierai. Non, attendez. Je rectifierai. En fait, c'est pas au niveau même de... C'est... Là, c'est... Je pense qu'il y a une faute. Il y a une faute. Rectifierai. Mon cœur. Ah, c'est bon. On dirait... Et arrivera-t-il à convaincre les jurés? Ici, là, je pense qu'il y a un souci. Oui, ça se dit. Non. Arrivera-t-il? Attendez. Les jurés, là même, est-ce que c'est correct aussi? Ça se dit. Va lui demander ce qu'elle pense de la couverture du livre. Va lui demander. Va. Ah d'accord, Tata Chanel. C'était délicieux, certes, mais la salle était un peu... Pardon. C'était délicieux, certes, mais la salle était un peu trop bruyante. C'était... Je pense qu'il n'y a pas de faute. Attendez! Ah, vous ne voyez pas, pardonnez. C'était délicieux, pas de faute. Certes, ils ont mis au milieu là. Faut pas ça me causer problème. Hein. S'il y avait appuyé l'autre. Cette entreprise a été créée. Marie me fait mal. A été créée.
Nous allons surveiller. Nous allons surveiller cela de près. Pour moi, il n'y a pas de faute. S'il y a une faute, c'est au niveau du ER. Mais allons. Ça, c'est un verbe. Surveiller. Yeah! Yes. Aïe! Regardez ce qu'ils nous ont fait. Là où mon nez. Là où ma tête me était. C'est pour ça qu'on dit, lis toute la phrase avant de... J'ai compris. Moi-même, ma tête était ici, là. Tcha. Un ravalement sera-t-il. Ici, là, je pense qu'il y a apostrophe. Je pense. Je pense. Je suis. Gimme. Il n'y a pas de faute. On peut dire, est-ce que la directrice est là? Ou est-ce que la directrice est-elle là donc? Ici, mes vidéos, ils vont bloquer. Bon. Dans ce film, l'héroïne... Non, dilemme, il y a deux M cette fois-ci. Et devant... Attends, je vais tout lire dans ce film. Atroce, ça, on... atroce, ça, c'est un atroce. Ah, pour moi, c'est une atroce. Elle s'est fait arracher deux dents de sagesse. Elle s'est fait arracher. Ah, c'est une, d'accord. Il n'y a pas la nuit. Non, non. Aïe, on n'a même pas quand même rempli, même. On n'a que trois étoiles. Elle s'est fait arracher deux dents de sagesse. Arracher, je sais que je sens qu'il y a un problème ici. Si y a un pied, ça les voit des kiwi. Si elle savait, j'allais appuyer. Je savais, j'allais appuyer. Furieux, il est parti en claquant violemment la porte. Ça, ce sont les hommes. Certes, un technicien est venu, mais le problème n'est pas encore réglé. Attendez, certes, un technicien est venu. Certes. Certes. Je pense qu'il y a essai. Seigneur. Ah, on a trouvé. Yeah. Et ça là, c'est vraiment un chic exercice. Et ils sont toujours prêts parce que à l'université là, on nous apprend pas tout ça. Ils vont pas revenir encore et nous montrer, nous apprendre ce qu'on a appris au primaire. Ils sont toujours prêts à nous. Ils sont toujours prêts. Prêts. Il y a un problème. Prêts. Non.
Est-ce que la réunion s'est-elle bien passée? Est-ce que la réunion s'est-elle bien passée? S'il n'y a pas de faute. Pour moi, il n'y a pas de faute. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de faute. Il y a deux fautes. Tata Latifa. Hey, on a échoué, Tata Chanel. Et puis cette fois-ci, la même. Ils ont mis deux. Attends. Est-ce que c'est... La réunion s'est-elle bien passée? Mais ça, on a trouvé, non? Aïe! Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? La réponse... Mais c'est ça! Attendez. Il y a faute, mais... En fait, je ne vois pas où est le... Aïe! Bref, il n'y aura pas le truc. Mais bon. Ah! Elle! J'avais pas fait. Et cette nouvelle... Hi, pardon, faut pas cliquer quelque chose. Hey. Cette nouvelle organisation nous simplifiera le travail. Cette nouvelle organisation nous planifiera le travail. Ça, il pense que c'est correct. Hein? Nous planifiera, fira. Nous planifiera. Où va-t-on pouvoir mettre ces cartons? Où va-t-on? Hein? Où va-t-on? Attendez d'abord. Attendez, je vais... On va mettre déjà même toute la phrase. Attends. Ici, là. Où va-t-on? Va-t-on? Il y a... Il y a pas S. Faut pas t'es là, va me tromper, hein. Bravo. Parce que le T, la façon tu vas, il y a S. Cette histoire les a bien fait rire. Ce scientifique, pour ce scientifique, les dauphins ont un véritable langage. Langage, je pense qu'il y a une erreur ici. C'est bon. Cette station de sport d'hiver a été créée dans les années 1970. Cette station de sport d'hiver a été créée. Et une station de sport. Un sport. C'est dans ça là qu'il vous dit. Ils finissent de s'habiller. Ils sont prêts. Ici, je pense qu'il y a une erreur ici. Prêts. Ok. Je veux pas regarder. Ok, là, on doit dire qu'est-ce qui est correct, si la phrase est correcte ou si la phrase est incorrecte. Ce marché nous offrirait-il de nouveaux débouchés? Et est-ce que le stagiaire est-il autonome? Est-ce que son expérience est-elle aussi développée? Yeah!
Ça, je pense que c'est correct. Kimi. Ok, c'est correct. Est-ce que son expérience est-elle aussi? Ça, je pense que c'est correct. Mais le dernier là. C'était incorrect! Pourquoi? Est-ce que son expérience est telle? Est-il autonome? Est-il là? Je pense que c'est correct. Attendez. Est-ce que le stagiaire est-il autonome? Attends, si ici, ils ont dit c'est faux. C'est qu'ici aussi, c'est faux. C'est qui? Attendez. Il y a peur, attendez. Attendez. On dit c'est correct. Attendez, vous voyez, mais correct. Ils ont dit incorrect, vous voyez ici. Vous avez vu? Si Kimi, tu t'écoutais là. Bon, on s'accroche vu qu'on n'a pas tout trouvé. Est-ce que le responsable syndical, c'est-il? Ça, je pense que c'est incorrect. Ok. La nouvelle charte doit être appliquée immédiatement. La nouvelle charte doit-elle... Ici, là. Oui, c'est correct. Attends. Est-elle... Dernier là, attends, dernier en disant c'est faux. Ouh, on a tout trouvé. Yeah. Est-ce que la date de la prochaine réunion convient-elle? Et c'est correct, hein? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elliot 13. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos abonnés, à nos chéris. Hey. Bon retour aux guetteurs, vous les guetteurs. Hey, on peut faire ça. Vous les guetteurs, bon retour à vous. Et bon retour à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a suivi les questions-réponses. Je disais même dans l'introduction que au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut étudier en ligne. Quelqu'un peut faire des études en ligne. Quelqu'un peut se... Il y a des qualifications qui se donnent en ligne. Donc, vous étudiez en ligne. Vous allez avoir votre qualification. Je ne sais pas, vous allez me corriger dans mes comment section. Il y a des études en ligne que vous étudiez. Ici, j'ai même écouté ça. Vous étudiez en ligne. Vous faisiez les examens en ligne. Vous allez retirer votre diplôme. Donc, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Elle peut faire ça, non? Si elle a l'argent, elle peut faire ça. Moi-même, j'ai étudié en ligne. Il y a des études que j'ai fait en ligne. On nous donne le brevet, le certificat en ligne ici en Afrique du Sud. Moi, je ne sais pas. Bon, je parle d'ici en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud et l'Europe, il n'y a pas trop de différence. Nous aussi, ici, on a 4 saisons. Donc, il y a, c'est presque comme en Europe. Il y a des histoires, c'est presque vraiment en Europe. Et on étudie aussi. Même la médecine, vous allez voir que c'est presque en Europe. Ici, il y a un hôpital qu'on appelle Tigerberg Hospital. Il y a même Mobutu qui était venu ici pour se faire soigner. Imaginez ça. Donc, quand je dis que c'est presque là, c'est pas pour inventer là où je suis. C'est presque en Europe. Et les établissements et tout, comme le... Donc, j'ai dit, bref, c'est presque. Mais qui aussi peut faire ça, non? Elle peut faire ça aussi. Oh non, en Europe, là où elle étudie, on ne connaît pas son école. On écoute seulement, elle parle de son école, mais on ne sait pas. Eh, hey, les gens, vous voulez entrer dans la leçon des gens comme ça, pourquoi? Pourquoi vous voulez entrer dans la leçon des gens? Pour aller chercher quoi dedans? Hein? Vous n'avez pas des enfants. Moi, je m'étonne même les gens qui n'ont pas des enfants, qui s'assoient, qui allument leur caméra pour regarder leur féline, pour regarder
un enfant qui n'est pas de maman, ici sous la toile. Hmm? Les ondes des gens là, elle n'a pas écouté ça. Oh. Elle a fait. Malgré tout, elle nous a promis que elle va filmer son école, mais je pense que ce n'est pas même sage. Elle n'a pas à se justifier sous la toile. Elle n'a pas même à faire de vidéo pour son école. Sinon là, vous vous souvenez de notre vidéo de l'année passée intitulée Kimi est kidnappé, je pense. Je pense, c'est ça la vidéo. Allez regarder ça si vous pouvez trouver même. Mais si l'année passée même, vous allez voir. Quelqu'un a failli la kidnapper. Hmm? Quelqu'un avec Mercedes. Mercedes noire qui a failli la kidnapper. Parce que vous connaissez son père, non? Son père a une grosse bouche. Sa tante a une grosse bouche. Et récemment, elle n'a pas de grosse bouche. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous pouvez, même dans les commentaires, les gens l'insultent gravement. Mais elle est toujours au modo, ah, il faut bloquer la personne ici. Je n'ai jamais écouté Kimi Makoso ouvrir sa bouche pour insulter, disons, insulte. Moi, que depuis que je suis la fille ici, il n'y a qu'une fois que j'ai écouté le manquement du respect de Kimi Makoso envers quelqu'un. C'était quand elle était sortie pour Lolo Beauté. C'est là, moi-même, j'ai écouté comme elle a été impolie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais quand je suis dans ces lives, il y a des gens là, non? On a notre vidéo de Diana Bouli qu'on est en train de mettre pour vous, qu'on va mettre la suite après peut-être cette vidéo ici. On a dit que on ne peut pas mettre toutes les parties. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des insultes dedans. Mais je n'ai pas... j'ai prends seulement un exemple. Un exemple. Nous, on monte dans les lives des gens. On monte dans les lives des gens. Et on écoute comme les gens s'insultent là-bas. Petite chose. Même si vous écrivez seulement un commentaire, là, simple commentaire. Même une question là. Façon la personne va vous allumer. Vous allez lui lire en chinois. Vous voyez? Ils sont comme ça. Mais je n'ai jamais écouté qui m'a cause allumer quelqu'un sur le live, même dans les commentaires, même les gens qui montent pour la déranger et tout, elle répond toujours poliment. Même si elle n'a pas allé à l'école comme vous voulez là, hein, mais quand même elle est polie, c'est tout, c'est fini. Vous voyez, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci beaucoup à vous qui ont été ici à nous suivre depuis le commencement jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. On sait que vous aimez votre Kim beaucoup. Nous aussi, on aime, hein? Notre Kim beaucoup, on aime notre Axel, on aime tout le monde. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci aux guetteurs. Merci à ceux qui sont ici nouvellement venus. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Lost Press, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Merci lourdement à nos abonnés. Merci pour vos conseils. Merci pour les abonnés qui se sont déjà abonnés sur notre deuxième chaîne. Le nom, c'est Les Histoires Incroyables. On a essayé un peu de détacher ça des Lost Press parce que on avait Les Histoires Incroyables ici, chez nous, ici. Mais on a essayé un peu de détacher ça et de raconter les histoires vivantes. Donc, les histoires qui se vivent dans le monde entier. Allez aussi vous abonner là-bas. Pourquoi? Parce que c'est en français aussi. Là-bas aussi, c'est en français. Donc, faites-vous abonner aussi là-bas. Merci pour vos conseils. Merci pour vos appels, vos messages, vos voices. Merci infiniment à vous qui pensez à nous. Nous aussi, on pense à vous. On s'aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye-bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.